Le Cameroun entame sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Ce dimanche, le pays a reçu 200 000 doses de vaccin du laboratoire chinois Sinopharm. Le Cameroun rejoint ainsi la Guinée équatoriale et le Gabon, qui ont déjà lancé leur campagne avec les doses de ce vaccin. Le Premier ministre Joseph Dion Nguté a détaillé la première phase de cette campagne. Le ministre de la Santé publique va s'assurer que le personnel de la santé qui nous traite, nous tous, soit d'abord vacciné. S'ils ne sont pas vaccinés, ils n'auront pas la possibilité de nous traiter. Donc c'est d'abord à eux la priorité. Et ensuite, le reste des Camerounais. Quant à moi, je suis prêt à prendre ce vaccin n'importe quand. Selon le ministre de la Santé, 100 000 personnes sont concernées par les premières doses du plan vaccinal. Dans un communiqué vendredi dernier, il avait déjà encouragé le personnel prioritaire à montrer l'exemple. L'objectif premier, c'est la prévention et la préservation de ce personnel de santé qui est au front depuis bientôt déjà un an. Et donc, imaginez-vous quelqu'un qui vient, comme moi, d'avoir sa carte de vaccination et d'avoir pris sa première dose. Nous pensons que nous sommes davantage plus prémunis contre ce virus. Pays d'environ 26 millions d'habitants, le Cameroun recense plus de 61 700 cas positifs au coronavirus pour 919 décès.